Bonjour à tous et bienvenue dans Express Orient. Au programme cette semaine, en Iran, le débat autour du mariage de filles mineures. Après le viol d'une fille de 11 ans mariée de force, des parlementaires demandent une réforme des textes de loi. Elle utilise des couleurs vives et des motifs simples pour raconter l'histoire de ceux qui souffrent au Moyen-Orient. L'artiste peintre Hélène Zouraïb est notre invitée. Enfin, notre série Le Parfum d'Irak nous emmène à Ramadi. Farah Talani s'y rend pour rencontrer son cousin, fasciné par le football de Platini. L'occasion d'évoquer l'exil forcé de millions d'Irakiens chassés par la guerre. Le mariage précoce fait débat en Iran. L'âge minimum légal est de 13 ans pour les filles. L'UNICEF estime que 17% d'entre elles sont mariées avant d'atteindre les 18 ans. De plus, le code civil tolère sévices et violences sexuelles en obligeant les très jeunes épouses à se soumettre aux demandes de leur mari. De plus en plus de voix s'élèvent pour demander de réformer la loi. C'est un reportage de notre correspondant Ali El-Bacha, récit de Florence Gaillard. Un mariage qui fait scandale jusqu'au Parlement iranien. Dans la région d'Ilam, une fillette de 11 ans a été mariée à un homme 4 fois plus âgé. Mariée ou plutôt vendue, son père l'aurait cédée contre de l'argent pour rembourser ses dettes. Ce n'est pas un mariage, c'est la vente d'une enfant. La pauvreté et le chômage contribuent à la recrudescence de ces pratiques ces dernières années. Sinon, il n'y aurait pas de famille prête à vendre leur fille. Le tribunal local a donné l'ordre de confier la fillette à l'assistance sociale qui dépend du ministère de la Santé. La justice a décidé de poursuivre le père de la fillette ainsi que son mari, qui lui aussi est père de 7 enfants. Le mariage n'a pas reçu l'accord du tribunal comme le prévoit la loi parce que le juge a estimé que la fillette n'était pas prête physiquement ni psychologiquement. Le père et le mari vont être punis. Une affaire qui devrait relancer les efforts du comité des femmes au Parlement. En décembre, les législateurs ont rejeté un amendement du Code civil qui interdisait le mariage des filles de moins de 13 ans et des garçons de moins de 15. Le comité pour le maintien de la Constitution a rejeté ce projet parce qu'il viole les enseignements de l'islam. Le texte peut bien sûr être amendé pour des cas exceptionnels comme celui dont nous parlons, mais ne peut certainement pas empêcher les mariages en dessous de 18 ans. D'après l'UNICEF, 17% des filles en Iran sont mariées avant leurs 18 ans et 3% n'en ont pas 15. Des chiffres qui ne rendent sans doute pas compte de la réalité, puisqu'ils proviennent des seuls mariages enregistrés et reconnus par la loi civile. Elle devient la première femme saoudienne à accéder à ce poste clé. La princesse Rima bint Bandar a été nommée ambassadrice à Washington. Elle remplacera le prince Khaled ben Salman, frère cadet du prince héritier Mohammed ben Salman. Cette nomination intervient alors que Riyad tente de se racheter une conduite après le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi. Une affaire qui a mis à mal les relations avec son allié historique, les États-Unis. Hélène Zouraïb explore les récentes crises qui traversent le Moyen-Orient à travers son art. Elle est avec nous depuis Washington où l'on peut découvrir sa dernière exposition à la galerie Al-Quds, une exposition consacrée au conflit syrien et à la crise des réfugiés. Hélène, vos peintures sont dynamiques avec des couleurs vives et plutôt joyeuses, mais votre sujet est lui bien plus grave. Quel message souhaitez-vous faire passer ? Eh bien, avec ces couleurs éclatantes et ces motifs harmonieux, j'espère que la personne qui regarde mon œuvre ressentira de l'empathie face à la situation dans laquelle se trouvent les Syriens qui ont dû quitter leur maison pour trouver un refuge. Je crois que ces couleurs, ces motifs et leur beauté attirent les gens vers mon travail et j'espère qu'ils entendront ce que j'ai à dire. Et pourquoi avoir choisi ce thème du conflit en Syrie ? Cela fait des années que je travaille sur ce qu'on appelle le printemps arabe. Et lorsque ces manifestations se sont transformées en conflits en Syrie, j'ai décidé de me focaliser sur cet aspect. Je me suis documentée sur ce qu'il se passait visuellement, d'une manière qui parle aux gens.
Le résultat qui en a découlé, ce sont ces 25 tableaux qui retracent le début de la Révolution jusqu'à nos jours et l'émigration de masse vers l'Europe, vers d'autres pays arabes et vers les États-Unis. Je travaille sur cette série depuis 3 ans. Elle me tient vraiment à cœur. Ma famille est originaire du Liban et de Syrie, donc j'ai envie de raconter ce qui se passe là-bas. Est-ce que, avec votre travail, vous souhaitez aussi projeter une image plus positive du Moyen-Orient et mettre fin aux stéréotypes concernant les populations arabes et les musulmans ? Absolument. Je pense que c'est un message essentiel à faire passer. Depuis les attentats du 11 septembre, j'essaye de raconter notre propre histoire pour que les gens cessent de nous dire qui nous sommes. Je souhaite expliquer de mon point de vue, celui d'une arabe ou d'une américaine d'origine arabe, qui sont vraiment les gens qui vivent dans le monde arabe et au Moyen-Orient. Par conséquent, c'est vraiment important pour moi de me concentrer sur un dialogue positif et sur la construction d'un pont entre Orient et Occident pour qu'il y ait du respect, de la compréhension et bien sûr de l'empathie. Vous-même, vous êtes née à Beyrouth et vous vivez à Washington. Vous êtes libanaise et américaine. Pensez-vous que votre message atteint les deux côtés, Occident et Orient ? Oui, et je pense qu'il est important de transmettre ce message. Je comprends les deux côtés, l'Orient et l'Occident. Je me sens un peu comme un pont. Avec mes tableaux, avec le travail que je fais et avec les messages que je partage, j'espère vraiment créer un dialogue. Et même si je ne parviens pas à changer l'opinion que les gens ont les uns des autres, j'espère faire naître de l'empathie. Je pense que c'est essentiel, car finalement, nous sommes tous les mêmes, donc mon approche est humaniste. Et vous avez fui votre Liban natal. En quoi cela influence-t-il votre travail ? Je pense que lorsque les gens quittent leur pays, ils emportent avec eux de nombreux souvenirs, beaucoup d'histoires et de nostalgie, ainsi qu'un désir de rentrer. Mais lorsque vous ne pouvez pas rentrer, comme ce fut mon cas à cause de la guerre pendant de longues années, je pense que cette aspiration et ce manque de vos racines, ça fait partie de votre vie. En tant que peintre, cela fait partie de moi depuis des années. J'ai besoin de ramener le Liban là où je me trouve, retrouver les souvenirs, les histoires. J'ai ce besoin de m'accrocher à ces souvenirs alors que je vis ici, en Amérique. Merci Hélène Zoraïb d'avoir été avec nous. Il est temps de découvrir le 8e épisode de notre série Le Parfum d'Irak. Farah Talani rencontre à Ramadi son cousin Hodaï, un passionné du football français de Platini. Un homme qui, à l'image de millions d'Irakiens, sera forcé de fuir face à la guerre qui ravage son pays. En 1994, nous passons tout l'été en Irak avec mes parents et ma sœur. Après Fallujah, nous partons à Ramadi rendre visite à ma tante et mes cousins. Le centre-ville est bondé. Les maisons sont cossues. Et tout autour, le désert. Ce qui me frappe dans cette ville loin de tout, c'est le t-shirt de mon cousin, Hodaï. C'est le plus grand fan de l'équipe de France de foot que je connaisse. Si je lui donne la date d'un match en 1960, par exemple, il peut citer les auteurs des buts à la minute près. À chacun de mes voyages, Hodaï me demande de lui apporter des magazines 11 Mondial et des vignettes Panini, introuvables ici. Sa passion a commencé en 1982, lors d'un voyage dans ma famille. Hodaï était tombé amoureux de la France de Platini. Hodaï, c'est mon miroir. Moi, Français, fasciné par l'Irak. Et lui, Irakien, fasciné par la France. En 2005, un événement va bouleverser sa vie. Un attentat vise un convoi américain. Ne pas prendre une balle perdue. Se mettre à l'abri d'une autre explosion. Vite.
mais aussi ne pas être pris pour un insurgé. Le lendemain, comme 4 millions d'Irakiens chassés par la guerre, il quittera le pays et laissera tout derrière lui, y compris son plus grand trésor, sa collection de vignettes de l'équipe de France. Voilà, c'est la fin d'Express Orient. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous, l'information continue sur France 24. Soyez prêts à affronter l'hiver devant la météo avec l'entretien hiver Midas. Midas, pour vous, on se dépasse.